Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du lundi 22 juin 2020. Elle s'intitule « El Robra de Perlin Pimpin ». Moi je vous le dis, faut en finir avec ce procès El Bouchi. Et il faut en finir vite. Bon, je ne suis pas juge, d'accord. Je n'ai pas le droit de commenter un verdict, qu'il soit prononcé en première, en seconde, en 3467e instance ou ad vitam aeternam, encore et toujours d'accord. Mais le pitre que je suis, du coin de la pièce où il se tient debout, face contre le mur, estime malgré tout qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire El Bouchi. De réduction de peine en cure, d'amaigrissement sévère de la peine suivante, en passant par des crises d'anorexie, des condamnations intermédiaires, il ne va plus rien rester. Si on continue comme ça, il va finir par décrocher le pompon qu'amène l'immobilier. La baraa, libre, et libre tout de suite. Et vous croyez que ça va s'en arrêter là? Que nenni, que non! Je serai lui et j'aurais humé cet air frais qui souffle soudainement autour de ma cellule déjà entrouverte, j'ordonnerai aussitôt à mes avocats d'engager des poursuites contre l'État. Ouais, monsieur, au point où on en est, je vais peut-être me gêner. Enfin, je veux dire, pourquoi se sentirait-il gêné, El Bouchi, et s'empêcherait-il de toucher le pactole des dommages et intérêts? Vas-y, mon grand, et j'irai même chercher chez toi de quoi fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain. En attendant, protégez-vous, en le faisant, vous protégez les autres.